On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma nièce Maëlle, c'est le retour. Je vous accroche la vidéo, on avait déjà fait une vidéo il y a 2 ans. Maëlle, elle était toute petite et elle m'a maquillée, mais cette fois-ci, elle veut faire sa revanche parce qu'elle a grandi et maintenant, elle s'est maquillée de fou. Donc, c'est parti, elle va me maquiller. Ok, tu utilises quoi du coup? J'utilise. Donc, elle utilise la bébé crème pour faire le fond de teint et une éponge. Ah, ça va éclaircir sur ta peau. Ça va foncer, je crois. Ah, oui, ben, un peu. Sinon, t'as un pinceau, sinon. Oui. Si tu veux le faire au pinceau. Au début, je faisais ça. Faut bien étaler, hein. Je vous mettrai, hein. Le chrome lequel? Ah, ah. Oui. Il m'a pas assez. Il m'a pas. Parce que là, j'ai l'impression que j'en ai que là. Oh, de l'autre côté aussi, t'en as. Ça va, là, tes boutons sont. T'as couvert mes boutons? Ouais, là, sur les joues, j'ai couvert les boutons sur les joues. Ça va? Ouais. Pour l'instant, c'est good. J'ai un peu l'impression d'en avoir que à ce niveau-là, mais bon. Bon, t'inquiète. Ah, d'accord. J'ai pas encore tout étalé. Ah, ok. Faut bien faire partout. Oh là là, c'est pas du tout que je pensais, mais bon. Voilà, déjà là j'ai tapoté un peu. Faire avec le pinceau. C'est plus facile avec le pinceau. Ouais. Ouais. Pour étaler. Attends, je me mets debout, hein. Désolée si on ne voit pas. Ah voilà, ah. C'est mieux. Ah déjà il y a un bouton qui a disparu. Ouais, j'avais un bouton là. Ouais. Pour bien étaler. Ça disparaît bien. Là, je pense que ça va. Ça va. Ouais. Okay. Ta peau, elle est un peu brillante. Elle est un peu mieux. Ok. Alors. Ensuite, tu fais quoi? Je sais pas trop. Je vais mettre un tissère, je crois. Un tissère. Ouais. Attends, d'abord, je recouche ça. Ouais. Ça, déjà, c'est quoi là? Ça, c'est pour l'highlighter. C'est pour faire des petites touches dorées sur le visage. Ah, ok. Là, c'est l'anti-cerne. C'est simple, je vais le mettre à 4 pinceaux. Je crois qu'il est comme ça et c'est un. Non. Tire. Voilà, et c'est une pompe. Ouais. Okay. Tu me mets avec quoi? Là. Tu mets directement comme ça, ok. Attends. Oh là là. Wow. J'en ai mis à côté. Bon. Normalement, c'est pas comme ça. Mais bon. Quel pinceau? Bah, je prends le même. Ouais. Soit tu prends le même, soit tu prends l'éponge. Je prends le même. Ok. Oh là là, c'est pour. Il est un peu gros, c'est pour ça. Ou sinon, t'as celui-là aussi. Il est plus petit. Ouais, je peux plus prendre celui-là. Sinon, il est trop petit. Là, il est un peu grand. Ça couvre bien? Ah ouais, il trop. Couvre, ouais, couvre bien. Attends. Ah, je t'en ai mis la 12 en plus. Attends, là il y en a tout. J'en ai mis là, ça passe pas. Eh ben. Regarde, ça va. Ça va. Pour l'instant, ça va. Jusque là, tout va bien. J'espère que je vais pas. Fais gaffe. Crève
pas l'œil. Pauvre Phil. Elle me fait peur. J'aime pas trop les yeux. Bah ouais, mais j'ai peur. T'inquiète, je vais pas te crever l'œil. Ouais. Je t'en ai mis un peu trop là. Ah oui, t'en as mis beaucoup. Il couvre bien. Mmh. Tu peux mettre un petit peu au-dessus au pire. Attends. J'en ai mis sur testis. C'est pas grave, ça va recouvrir. Bon, on va faire améliorer après, mais d'accord. Bon. Ça, c'est pas top, mais bon. Ah, t'as du crayon parce que le crayon là, c'est. Tu veux quoi comme crayon? Non, mais est-ce que t'as du crayon? T'as celui-là? Ouais, crayon marron, oui. Ou crayon coloré, comme tu veux. Non, pas tout de suite, hein, le crayon. Le crayon, je préfère que ça soit toi qui le mette. Parce que clairement, je suis nulle au crayon. Attends, mais pas au pire. Ouais. Ensuite, quand tu fais quoi normalement après ça pour le teint? Je vais mettre ça. Là. La poudre? Ouais, la poudre. C'est quoi déjà la poudre? Bah, pour faire comme tu veux, pour mettre par-dessus pour que ça tienne. Ok. Soit tu mets à l'éponge, soit tu mets au pinceau, comme ça. J'en mets où je veux? Ouais. Oh mon dieu. T'as vu, regarde, elle sent la pêche. J'ai envie de. Je crois que c'est de l'acti. Ben voilà! Non, je rigole, j'ai pas terminé. Tu en remets un peu? Ah, je t'en ai mis dans le truc si tu veux. C'est plus facile. Déjà, là, je commence mieux que quand j'avais 6 ans. Tu crois? Ouais. J'avais 6 ans, hein? Oui, il y a 2 ans. Ouais. Maintenant j'ai 8 ans. Du coup. Tu crois que le résultat sera mieux? Ouais. Ouais. Ouais, parce que c'était un peu une cata, hein. Là je crois que c'est bon. C'est bon, comme tu veux. Ah par contre, c'est pas possible. De quoi qui est pas possible? La tisserne. Un tisserne? Ouais. T'en as mis un petit peu, tu peux en mettre dessus hein, si tu veux. Pour un peu étaler un peu, voilà, tu tapotes comme ça et ça va bien tenir. Ça va bien tenir, ok. Donc ça c'est bon. Ouais. Ensuite. C'est quoi déjà ça? Tu mets en pour faire, tu peux en mettre là. C'est un truc qui est un peu liquide mais qui fait un peu des paillettes brillantes, voilà. On met un peu. T'en mets un petit peu sur les zones où tu veux que ça brille un peu. Là. En fait, partout. Un carnage. Ok. Et après, tu l'étales avec quoi? Bah, je l'étale. Je vais pas gaspiller des pinceaux alors. Ah, soit celui-là ou même l'éponge comme tu veux. Même l'éponge, peux prendre l'autre côté au pire. Ah, je vais avoir un teint bien lumineux là. Ouais. Je pense qu'elle sera beaucoup lumineuse. Ah, déjà ça commence! Ah oui, c'est lumineux? Ouais. Ok. Bien étalé. Ok. C'est bien? Ouais. Ça rend bien? Ouais, ça rend bien, très bien. Ok. Ensuite, arrête. Pour que j'ai l'air bronzé. Bronzé? Ouais, on met un peu de poudre, ouais. Et puis il y a le blush pour avoir bonne mine. La poudre. Ça, c'est. T'as celui-là ou celui-là pour ça et ce pinceau-là pour le blush. Ok. Comme tu veux. Tu mets où tu veux. Ok! Dis-le dans les commentaires! Je sais pas. Bon, vas-y, je prends lui. Ok. J'en mets où je veux? Ah bah, ça se met où le bronzer? Ça y joue. Comme tu veux. Ça, je sais pas. Non mais pas trop, il y a de la place au pinceau. Ouh là là, je sens le carnage. Ça les joue. Comme tu veux.
Normalement, t'en mets, voilà, tu vois, ça donne bonne mine. T'en mets un peu sur les joues, t'en mets un peu sur le front. J'en mets partout, en fait. C'est pour faire comme si on était bronzés. Ouais, sauf que moi, je suis vraiment bronzée. Hein. J'en ai mis un peu trop sur cette joue-là. Ah. Ça va, là, c'est pas carnage. Pas carnage. Bon, là, c'est un peu trop bronzé. Tu vois, t'as une cicatrice bronzage. J'ai une cicatrice. Ah, ah oui, là, j'ai une grosse trace. Mais. Je vais mourir. C'est bon. Ok. Ah, par contre, les yeux, c'est pas possible. Bon, on va les faire après, les yeux. Ensuite, pour avoir bonne mine. Je mets où? Donc, ça, tu sais comment on met. Pour avoir bonne mine, du fard à joues, ça s'appelle. Ah oui, c'est vrai. Ok, du blush. Kiki. Sur tes joues, il y en aura beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Il y aura beaucoup de trucs. Tu auras bonne mine. J'ai l'impression qu'il y en a toujours plus de ce côté-là. Tu ouais. commences et là, après, tu n'en remets pas de ce côté-là. Là ça va. Ah ça va ouais. Ça va. Pour l'instant okay. C'est ça va. Ça va. Ok. Après, ouais. Le temps je crois qu'on est bon. Alors après tu peux commencer. Ça fait quoi? Bah ça c'est trop tard, c'était pour mettre avant. Tu sais c'est comme une crème. Ah. Avant le fond de teint donc ça ah, c'est une base. Donc là t'as les sourcils, les yeux et le mascara et les lèvres. Attends, vas-y, je vais redessiner tes sourcils. Vas-y, redessine les sourcils, t'as le crayon là, pas le pinceau. Oh, c'est dur. Ouais, c'est une cire. Allez, on va bien. Ah, je comprends pourquoi des fois je vois des filles avec les sourcils plus gros. En fait, oh, ça fait moche. C'est dur à faire, hein? C'est pour un peu plus. Ah! Faut que tu en remettes un peu sur ton pinceau. Tu n'as pas beaucoup? Si. Je vais en remettre. T'as fait un trou dans le truc. Ils sont plus gros. Ils sont plus gros. Voilà, là c'est bon. Là, tout à l'heure ils étaient minuscules. Là ils sont plus gros. Ok, ah ils sont plus gros, ok. Donc ça c'est bon. Là t'as la petite brosse si tu veux les brosser au cas où. Ah ouais, je vais les brosser parce que là. Ok. J'enlève un peu de la dose. Voilà. Voilà, ok. C'est quoi ça? Ça, on l'a déjà utilisé, c'est le fard à joues. Alors, là, t'as les yeux. Donc, t'as la palette de maman pour faire les fards. T'as des crayons, t'as le mascara. Oh, les crayons, j'ai peur. Et t'as le truc liquide. Vas-y, je vais essayer. Le crayon, vas-y. Noir. Tu peux le mettre sur le dessus ou à l'intérieur, comme tu veux. Attends. Et passons ça. Non. Attends, vas-y. Ah, tu me fais un eyeliner? D'accord. Je vais effacer ça. Comment on fait pour effacer? Ah, c'est dur pour effacer. Tiens, essaye l'éponge. En passant par-dessus. C'est moche. Tire comme ça dessus. Voilà, tu fais comme si tu effaces un peu. Voilà. Voilà. C'est mieux. C'est okay. Mieux. Bon, voilà, c'est un peu lumineux. Bah alors, crayon, non. Ok, donc oublions ça. Oublions ça. Donc, t'as la palette si tu veux mettre sur les yeux ou t'as le truc liquide comme ça pour sur les yeux et après, il faut que tu mettes aussi du mascara. D'accord. Sinon, t'as le crayon fluo aussi. Je mettais vraiment dans le creux. Dans le creux, ok. Voilà. Je vais faire la forme de... C'est beau. Ouais. C'est beau ça? Je sais pas hein.
Non, mais le phare, il est beau, non? Oui. Ok. C'est lumineux. C'est lumineux? Ouais. Ok. Bon, je m'ai mis là. Je vais mettre un peu. Après, je vais repasser dessus. T'as les pinceaux si tu veux. En... Voilà. Un peu. Ok. Ça va pour l'instant? Ouais. Ouais, ça va, ouais. Bon, j'en ai mis un peu d'étale. T'as les pinceaux si tu veux étaler ou pas. Comme tu veux. Alors, comment je le tiens? On ne voit pas dans la caméra. Voilà. Ouais, mais c'est mieux là. Coucou! Attends. Voilà. C'est bon! C'est bon? Ok. Like! On veut passer au pire. Mais elle a choisi une palette. T'as choisi celle-là? Dans les tons bleu et violet. Bleu, violet, ça. Vraiment pour faire une technique pour faire un beau visage. Je prends quel pinceau? C'est quel pinceau pour celui-là? Comme tu veux. Tous, là, tous les pinceaux là, c'est pour les yeux. Alors, y en a pas un plus fin? Ah là, non, c'est bon. C'est bon, ouais, il est plus petit. Quelle couleur te plaît? Ah, moi, tu fais comme tu veux. Oh, je sais pas. J'aime bien toutes les couleurs, moi, donc. Bah, moi aussi, j'adore. Là, je suis en beige, donc tu peux mettre toutes les couleurs, et j'ai un jean bleu, donc après. C'est parti. Bon, ton sourcil sera bleu. Ah, c'est trop beau. Ça fait paillettes avec du bleu. Tu peux ouvrir l'œil, hein? Jusque là. Je vais remettre là. Ça se voit laquelle j'ai utilisée, hein? T'aimes bien? Là non, mais sinon ça va. Non, ça va. Attends. De loin, on va voir. On dirait un monstre. De loin, on croirait un monstre. Bon, j'ai pas trop bien maquillé. J'avoue. Ok. Qu'est-ce qui te reste? Mascara. Ouais, mascara. Et le rouge à lèvres après. Le rouge, je garde le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Tu l'as un peu mis à l'envers, voilà. Ouais, je l'avais un peu mis à l'envers, ouais, je sais. Alors, attention, j'ouvre l'œil. Non. Je ferme? Enfin, non, je sais pas. Déjà, c'est mieux quand même. J'en avais mis partout la dernière fois. Arrête de cligner des yeux! Tu me fais peur. Ah, pas mal, non? Bon, ton nez est droit. T'aimes bien mettre de son mon nez. Ça va? Ouais, clairement, ça va. Hein. Ok. J'ai peur. Voilà, t'as vu, j'allais dire, j'ai peur que tu me foutes dans l'œil. Je t'en ai mis dans l'œil? Ah oui. Voilà. Ah, ok. Ton œil pique, hein? Ah oui, il pique. Il n'y a pas un truc pour colorer les paupières? Pour colorer les paupières? Oh. Non, enfin pas les paupières, mais les là en bas. Bah t'as mis l'anti-cerne. Oh, tes mains, t'en as mis partout. Mais... Bah sinon tu peux remettre avec l'éponge. Tu peux remettre sur l'anti-cerne et tu recouvres ou tu enlèves avec l'éponge. Parce qu'en plus le mascara il est waterproof. Hein. Oh non. Donc il faut faire vite pour l'enlever. Hein. Ah, ça fait du bleu. Tu peux remettre du produit après, sinon pire par le dessus. Quand tu l'enlèves, tu remets. Faut corriger. Ouais, là, je vais remettre. J'en ai plein aux mains.
que maintenant. Ça, tu peux en mettre un peu sur les poches pour faire moins que. Tu vois. T'en mets moins. Attends, j'ai pas encore été. Un petit arbre, j'en ai mis un peu partout, mais bon. Bah, ça fait lumineux. C'est pour corriger, quoi. Clairement, ça fait lumineux. C'est lumineux? Ok. Oh. Ah voilà, tu vois, t'as corrigé tout. Ouais, bon, c'est bleu là. Voilà, maintenant. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Donc t'en as deux. T'as un rouge rose là, rose fuchsia, et un plus. Neutre. Non, merci, pas lui. Pas le neutre, tu veux le vrai rouge, le fuchsia. Fuchsia. Dans les lèvres. T'as les corps? T'as des trous dans les lèvres. J'ai des trous dans les lèvres. Là. Bouge plus. Les cringes là. Prends le joker. Attends, je vais mettre un truc pour que ça s'enlève. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Attends. Essaye avec l'éponge. Hey. Et l'éponge, elle est magique. Fais ça. Voilà. Ah bah, bah c'est bien rattrapé. Alors, est-ce que tu trouves que tu t'es améliorée par rapport à la première fois? C'est pas beau, mais ça va. Ça va, ok. Attends. Est-ce que je peux sortir comme ça en ville? Oui. Ok. Bah, tu peux aller me balader comme ça? Ouais. Ok. Je vais donner le gage que se balader dans la rue comme ça. Parce qu'on a une petite rue devant chez moi. Ok. Ah, juste devant la maison? Ouais. Devant la maison, ça va. Allez! Voilà! Mettez des likes et surtout abonnez-vous! Ciao, ciao! Bon, voilà, je fais mon gage. Je suis devant la maison maquillée comme un camion volé. Voilà, on va se balader dans le quartier avec ma super tête. Ça va être magnifique. Et un gage, c'est un gage.